Yo, qu'est-ce qui se passe la mif? Aujourd'hui, c'est le jour où j'ai reçu mon email du résultat de mon test Covid. Donc, on va checker ça. Je vais l'ouvrir. Ok. Let's get it. Résultat de dépistage de la. Bon, je suis en train de lire là. Résultat de dépistage de Covid test 60. Oh fudge. Pour vrai, je viens de me réveiller. Attends, je vais ouvrir la lumière. Yo. Le problème avec ce bail-là, c'est que je sais même pas. J'ai comment être. Je suis en train de documenter tous les symptômes. Les cheveux dans la main. Yo, je sais pas encore si je suis positif ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mal au dos. Yo, j'ai dormi comme 7 heures divisé en comme 18. J'ai mal au dos et au bras. J'ai jamais eu aussi comme ça. C'est une des fois où j'ai eu le plus mal, genre. On dirait que je suis allé au gym, mais comme c'est pire, c'est comme c'est un pain. Genre, on dirait qu'on a mis une aiguille dans mon dos, dans mes bras, dans mon bas du dos. Mon bas du dos est finished. Alhamdulillah, ma tête, ça va mieux, genre ma fièvre, mais comme c'est up and down, up and down. Je tousse pas vraiment, comme rarement, comme alhamdulillah, mais il. Là, j'arrive pas à me rendormir. Parce que c'est ça que je voulais dire aussi. Genre, tu dors et le pain te réveille. Genre, le mal de muscle, là, le mal musculaire te sort de ton sommeil. Bon, c'est tellement dur de revenir dans ton sommeil. Subhanallah. Je sais pas encore si c'est Covid. Allah alam. J'attends encore mes résultats. Mais. Pour vrai, c'est une fièvre. Si c'est pas ce Covid, c'est une fièvre qui est forte. Ou comme, je sais même pas si c'est une fièvre mélangée avec comme mal de joints, pain, whatever, bro. C'est horrible. C'est horrible. Oh, astaghfirullah. Pour vrai, dans cette maladie, mon meilleur ami. C'est ce juice. C'est pas une promotion ou une publicité, mais yo, ce juice. Yo, il me fait trop du bien, je te jure. Alhamdoulilah. Ah, yeah! Ce juice. Oh. Genre, c'est mangue orange. La mangue, elle me fait trop du bien, frère. Alhamdulillah. Yeah. Ça, c'est documentation, jour numéro 2. En vrai, c'est jour numéro 3, mais premier jour, je savais pas que j'étais vraiment malade. Je suis comme, j'ai juste mal. Parce que je commençais à avoir juste mal au dos, tu vois. Je suis comme. En tout cas. Continue à vous montrer qu'est-ce qui se passe, l'évolution des symptômes de Red Laser. It is what it is. Salam alaikum la famille, qu'est-ce qui se passe? Soyons un petit update, petite mise à jour. Live! Je me sens beaucoup mieux, tu vois. Ce que je comprends pas, c'est parce qu'il y a comme 2-3 heures, j'étais finished là. Je suis dans mon lit, finished. Mais là, alhamdoulilah, comme mieux. Je me sens chill live, tu comprends? Tu vois, je suis good, comme. On dirait que je suis en forme. Alhamdulillah, so yo. Je sais pas, man. Je pense pas que c'est le Covid, frère. C'est moi ce que je veux dire. Comme, yo. Je pourrais aller taper des push-ups, là. Qui est peut-être pas grand que ça, mais je veux dire, yo, comme. I feel okay. I feel good. I feel healthy, So yo, continuez à vous expliquer qu'est-ce qui se passe, Documenter tout ça. So, c'est ça, yo. Là, mon boy, il va m'envoyer de la bouffe. Parce que je dois quand même pas sortir, là je peux pas sortir quand même.
prends pas le risque là de sortir et tout, contamination, bah, tu sais jamais et tout. Soyo, il va m'envoyer de la bouffe et tout, puis oh. Yeah! Je vous check quand la bouffe vient, you know. Peace! Ok, ça filme encore. Yo, salam alaikum. Soyo, comme je vous ai dit, mon boy est venu avec la bouffe. Il vient de me ramener un fou bail. Là, je vais vous montrer c'est quoi. Là, tu sais que ça. Bail là, bro. J'ai hâte de le manger. Bon, comment je me sens en ce moment? Je me sens un peu moins bien qu'avant, mais je me sens quand même chill. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, je suis posé là, je suis pas fou mal, mais je sens comme un chest pain un peu, mais je sais pas, c'est bizarre. Mais alhamdoulillah, on est là, et je veux manger et tout, mais mon dos me fait encore mal, mais j'ai plus de fièvre, alhamdoulillah. Encore mal, encore des courbatures, mais alhamdoulillah. Plus de fièvre, la fièvre c'était le pire là. La fièvre et les muscle pain en même temps. Mais là, alhamdoulillah, pour vrai, comment ça allait mieux. J'attends encore mes résultats, on m'a même pas encore vu. Mais apparemment, you know what they say, no news means good news. Mais bon, on attend encore les résultats, so, je vais manger ce truc là, puis oh, yeah, on verra pour la suite. C'est vrai. Yo, qu'est-ce qui se passe la mif? Aujourd'hui, c'est le jour où j'ai reçu mon email du résultat de mon test Covid. Donc, on va checker ça. Je vais l'ouvrir. Ok. Let's get it. Résultat de dépistage de la. Bon, je suis en train de lire là. Résultat de dépistage de Covid test 60. Suis où? Ouais, 2 secondes là. Ah, il faut que j'ouvre. Le fichier. Oh fudge. Ah yeah. Donc, je suis bel et bien positif. Subhanallah. Alhamdulillah. Je me disais aussi, pour vrai, c'était trop painful le mal de dos. Yo, je sais pas si je peux vous montrer là. Je sais pas si ça va marcher. Positif, c'est lire à l'envers. Okay, astaghfirullah. It is what it is. Ok, c'est le truc de la vie. Mais bon, on continue à vivre. Hein. Comment je me sens? Pour vrai, on est un jour. 4, non, sur 3. Pour vrai, je sais même plus quel jour. Mais yo, je me sens chill. Je me suis réveillé avec des mal de dos. Yo, ce Covid-là, qu'est-ce qu'il fait, man? Il donne mal au dos, frère. Genre, j'ai mal au dos, fou douleur musculaire du dos. Mais pour qu'est-ce qui est tout, pas vraiment, pour vrai, comme. De temps en temps, mais c'est rien de fou là, comme je tousse des fois là dans la vraie vie, comme dans la vie normale, je veux dire. Mais sinon, j'ai pas de fièvre, je goûte encore, je sens encore. Oh, en parlant de goûter, maintenant que je sais que j'ai testé positif, attends, je me suis commandé de l'indien, you know, j'ai commandé de la bouffe indienne parce que tu sais que eux ils mettent des fous spices. Comme ça, je vais savoir si je peux goûter encore. Parce que je pouvais goûter, mais je sens que ça a diminué un peu. Je pense, ce matin, quand je suis en train de manger, j'ai senti que le goût avait diminué un peu. Mais là, je me suis get du butter chicken. Ok? Get du butter chicken, comme vous pouvez le constater ici. Donc là, je vais goûter ça. Et oh, vous laissez savoir. C'est comment dégustation qui se donne. Ça commence bien. Ouais, je peux encore goûter.
tu n'oublies pas le nan, you know. Définitivement, je goûte encore. Alhamdoulilah. Mais pour vrai, j'en avais marre de rester chez moi. Plus dans le sous-sol, c'est sombre et tout. J'ai décidé d'aller prendre une marche. Pour vrai, j'ai le droit de prendre une marche là. Prendre un peu l'air et tout. Plus il fait beau. Alhamdoulilah. Ça fait du bien de sortir de la maison pour vrai. Respirer de l'air frais. Ou non. Vrai. Ça c'est une des journées. En vrai, je sais même pas comment dire si je me sens mieux ou pas. Comme. Des fois je me sens bien, des fois je me sens pas bien. Bon, c'est freaking bizarre. Ouais. Ça m'énerve quand je suis en train de me filmer et les gens me regardent me voir en train de me filmer. Ça me stresse, bro. Dégagé, genre. J'aime pas ça, bro. J'aime pas ça que voir les gens qui me voient en train de me filmer. En tout cas, qu'est-ce que je disais? Ouais. Sérieux, pour vrai, je peux vous donner un résumé de ce qui s'est passé les derniers jours. Pour vrai, je me sens. J'ai plus de fièvre et tout. Je suis quand même chill. Juste mal, j'ai mal au dos, man. Ça veut pas partir. Subhanallah. Douleur musculaire, je veux pas partir. Ça reste là, tu comprends? Et ça m'énerve parce que j'arrive pas à dormir. Ça me réveille. Je me réveille pour prier mon fajr. Après me rendormir, c'est compliqué. Et je me réveille la nuit parce que j'ai douleur musculaire dans mon dos, dans mes bras, mes jambes un peu, mais c'est plus mon dos. C'est vraiment énervant, subhanallah. Alhamdulillah. Mais ouais, c'est ça, man. C'est ça. C'est ça le corona. Covid life. Ça, c'était mes symptômes à moi. J'ai pas vraiment eu beaucoup de tout. Tu vois, ça a pas duré. J'ai pas eu beaucoup de ça. Ou bien de. Comment t'appelles ça? Tu peux pas goûter ou tu peux pas. Je sais pas quoi. Non, moi, j'ai pas eu ça. Moi, c'était plus les douleurs musculaires. Là, ça fait 4 jours, je crois. 4 jours? 5 jours? Je sais pas quoi. Pour vrai, je suis désorienté un peu. Je suis un peu désorienté. Mais. Ouais. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça la life. Voilà, je suis en train de marcher dans mon quartier. Dans le hood. Ouais. C'est important, you know. Si jamais vous êtes atteint par le Covid, vous devez faire des marches un peu, sinon vous allez devenir fou, rester tout seul chez vous. Personne ne peut venir vous voir. Moi, je peux même pas parler à personne, il faut que je les appelle. Le pire dans tout ça, c'est que c'était l'Aïd. J'ai commencé ma journée de confinement pendant l'Aïd. Même pas être avec ma famille, ça c'était vraiment pas nice. Mais, khair, inshallah. C'est le mektoub. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le petit update de la journée. Prendre un peu de vitamine. Vitamine C? Ça, vitamine du soleil. En tout cas, le soleil fait du bien. Ça me guérit pour vrai. Le soleil, frérot, il nous guérit. Ok, it is what it is. On se check pour un prochain update. Et yo, qu'est-ce qui se passe la famille? Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo que je vais faire. Ben, la dernière vidéo par rapport à virus et tout. Check. Alhamdulillah, je suis good. Tu vois, je suis done là. Il me reste 2 jours pour ma quarantaine. Puis yo, je suis fini avec cette vie, ok? J'ai fini avec cette vie de rester chez moi, rester ici devant mon ordi, rester. Yo, subhanallah, c'était trop énervant. Yo, là, je suis en pleine forme, alhamdoulilah. Et yo, je voulais juste remercier tous les gens qui me demandent pourquoi je suis pas actif, tous les gens qui me demandent sur mes réseaux sociaux si je vais bien. Alhamdoulilah, je vais bien. Ça, c'était mon expérience qui était horrible. C'était pas nice du tout, honnêtement, c'est pas nice. Si vous avez des amis qui sont positifs au Covid et tout, appelez-les, aidez-les, ramenez-leur de la nourriture, bien sûr, à distance et tout, mais comme, demandez-les de leurs nouvelles, tu vois, demandez-les de leurs nouvelles, voir comment ils vont et tout, parce que c'est vraiment pas nice. Donc, it is what it is.
Moi, mon aventure, mon histoire est terminée par rapport à tout ça, Inch'Allah. Bon, j'espère que je ne vais pas le revoir. Mais bon, faites attention à vous, pour vrai, parce que ce truc-là, c'est pas nice. Personne ne va avoir cette vieille maladie, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est la réalité où est-ce qu'on vit maintenant. Bon, je ne vais pas rentrer dans les bah, vaccins, pas vaccins et tout, là. Mais bon, je veux juste vous dire, faites attention à vous et à vos proches. Puis, yo, je suis back, plus en santé, plus motivé. On est là, on va faire d'autres vidéos et tout. Merci beaucoup à tout le monde. Oublie pas de t'abonner à la page Red Azer. Oublie pas de mettre un like. Oublie pas de t'abonner et mettre le truc. Oh, il y a une mouche. Oublie pas de mettre la belle là, la notification, la cloche, la cloche de savoir c'est quand je mets une nouvelle vidéo. Cause on est là. C'était Red Azer. Red Azer out. Peace.